En fait, c'était maquis, c'est ça? C'est ça. Salut les gars, mercredi 7 mai, studio Hyperion à Marseille, prêt pour l'enregistrement de Face the Colossus. J'espère abattre le maximum de boue aujourd'hui. Et là, je gratouille le micro de Casper dessus. On va faire part de ton exploit, tu as enregistré toutes les parties encore une seule journée. Ouais. C'est quoi, tu es un phénomène, tu t'es bien non, préparé, non, je pense pas. Mais moi, j'étais bien préparé. C'est super rapide quand même. Ben, en fait, ce titre aujourd'hui. Il y avait, 12 titres. Mais disons que la situation était telle que je m'étais un peu fixé un objectif et déterminé, mis la pression. J'étais bien préparé avec un bon travail de répétition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre premier jour de studio était suivi de 5 jours de pause dû à un long jour férié. Donc je m'étais dit, si je fais... admettons la moitié de l'album ou 6 à 7 titres et une semaine après dans une autre ambiance, dans un autre climat, peut-être moins énergique, un peu moins sous pression, les 3 autres titres, pour moi il y aura une cassure. Donc je me suis dit, et en plus, voilà, exactement, je voulais avoir tout le week-end jour férié pouvoir écouter les prises de batterie. En fait, ce qui s'est passé, j'ai fait 5 prises pour chaque titre. Et après, avec tout ma scène, tout le week-end férié, on a essayé de, en découpant, prendre le best-of, admettons, les 2 premières minutes de la version 3, coller au fond de la version 4 et la fin de la 5e. Et ainsi de suite. Comme ça, j'ai pu avoir pour tout l'album un vrai best-of de toutes mes prises du mercredi. Et en fait, mercredi, ça a été une journée assez intense. Moi, j'étais bien chargé comme il fallait. Et j'ai dû faire 7-8 heures de batterie non-stop, mais je me suis régalé, quoi. Et au moins, je pense que c'est l'ambiance d'un jour, l'agressivité d'un jour, la pression d'un jour qui est un peu prise dans les disques durs, quoi. Dire sans trop dévoiler morceaux, il y a quand même des parties qui sont spécifiques à ce nouvel album par rapport à ce que tu faisais avant. Disons que j'ai, enfin déjà merci, j'ai essayé de jouer dans la continuité de What It Is About en apportant toujours un petit plus ou des petites originalités en plus. Depuis 2-3 ans, j'ai continué à jouer de la batterie mais à mort. Pratiquement en continuant un rythme de 5-6 heures par jour sans jamais stopper. Ouais. Donc je me suis un peu plus rodé sur certaines parties, j'ai eu quelques idées, j'ai travaillé d'autres styles et des fois c'est là où je sens que ça m'apporte beaucoup. Justement le fait d'avoir plusieurs projets,
le fait de rencontrer d'autres personnes, de travailler sur un autre répertoire. D'accord. Après, quand tu reviens à Dagobah, tu te dis bon, et alors, l'idée que j'avais précédemment pour l'autre groupe, ça pourrait aller là. Tu as aussi cette intégrité vestimentaire, parce que là, bon, tu, je te vois tel que je te vois tous les jours, quoi. Tu vas pas te déguiser pour... Ah, non. Tu reçois des journalistes, je fais des interviews, je me déguise, ou je vais sur scène, je me déguise. Bon, tu rajoutes des petits trucs, hein, oui. Sur scène, tu te balades pas toujours torse nu dans la rue, quoi. Non, pour assurer tout ça peut arriver. Mais tu as cette intégrité parce que c'est toi, quoi. C'est ouais. Ce que tu aimes, voilà. Tu as les bad blocks, tu as des trucs, tu as cette touche qui t'est propre. Ouais. C'est pas quelque chose, je pense que c'est important de le dire aussi, qui c'est pas préfabriqué, c'est pas marketé. Non. C'est vraiment, ça fait partie de vous, tu es un personnage aussi à part dans cet environnement des musiciens de Dagobah, quoi. Ben, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont vu évoluer au fil des années, c'est vrai que je pense que je suis extrêmement passionné et je vis pour ça. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à écouter du hard rock, je suis tombé vraiment amoureux de cette musique. Ça m'a forgé une personnalité où bien sûr je change rien de jour en jour. Et c'est pas un concert qui va me faire me déguiser ou une séance photo qui va me faire déguiser. Je le vis vraiment à fond et je suis bien dans mes baskets. Bon. Et tu es aussi un de ceux qui déconnent le plus, quoi, dans nos groupes. Hein. Je sais pas si c'est une équipe de ça, les gens qui voilà, qui est déconneur. D'ailleurs, il y a un petit jeune qui voulait t'interviewer, il s'appelait Dudax. Oui, que j'ai mis maintenant derrière la caméra parce qu'en fait, tu as fait mourir Dudax. Il n'a pas pu finir l'interview. C'est vrai. Mais il n'ose pas te poser une question. Il m'a dit putain, il souffle lui un truc. Dis-lui ce que ça veut dire. Oh, Ludo. Ludo, je le connais bien parce que le jeune qui est derrière la caméra, là, c'est un petit prodige de la vidéo. Ça me tient énormément à cœur parce que c'est quelqu'un qui m'a, je pense, apporté le plus Dax. Médiatiquement parce que c'est lui qui a produit de A à Z ma vidéo multi-angle sur Batterie Magazine. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup pour les choix qu'il a fait et son parcours. Et pour son jeune âge, il a énormément prouvé qu'il était à la hauteur et qu'il avait un talent monstrueux là-dedans. Je pense qu'il a un super avenir devant lui, une super carrière. Et c'est quelqu'un de très sympathique. Ne prends pas les grosses têtes avec ça. D'accord ? Wow. Alors ça veut dire quoi, Mikado ? Mikado, c'était un peu un mot de code qu'on avait avec Ludo à l'époque où on faisait la vidéo chez lui. C'est quand on s'ennuyait, on se mettait un dos au cul en fait. D'accord. Ouais, ça va être con, c'était les passe-temps, quoi. Bon, tu es fier de ce... Je suis fier de cette expression et de ces passe-temps, ouais. D'accord. Mais c'était pas mal, mais c'est... Et du nouvel album, tu es fier de Face the Colossus ? Je préfère les Mikado. Ouais ? Non. Plus sérieusement, non, mais je... Là, on est en train d'écouter les prises de guitare et les prises de voix. Et il y a tout qui commence à bien prendre forme. Ouais. Et vraiment, je pense que ça va être un bel album. Bon. On est... Okay. Très confiant là-dessus. Merci à toi, Gilles, pour tout. Tu sais pourquoi.